les Internet. Salut à tous, ici Casamania. Vous êtes sur Guild Wars 2, j'espère que vous avez la pêche, la forme, la patate. Petite vidéo, j'ai remarqué que j'avais trop de karma, 136 000 points de karma, et je l'ai dépensé dans une boîte à bijoux Orient perdu que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Je vous maintiens bien pour ceux qui n'avaient pas suivi à quoi ça sert, pourquoi, comment, voilà. Donc je reviens pas là-dessus, si vous vous demandez pourquoi, vous allez voir directement la vidéo et vous revenez ici. Alors là je suis en train de dépenser, vous voyez, mes 130 000 karma dans les boîtes, je les achète à bloc, on va faire une petite expérience, j'en ai eu 30, on va les ouvrir, voir ce qu'on peut en tirer. Alors 30 boîtes à bijoux Orient perdu, bah écoutez... C'est parti, je croise les doigts, on va essayer d'avoir quelques trucs sympas dedans. Voilà, allez. On a, première boîte, j'ai eu une magnétite sympa, d'Onyx, hein, matériau de composition 400, rare. Deuxième boîte, fragment d'obsidienne, ça c'est lié au compte, donc je le garde. J'ai du crap loot, que je mets de côté. Bon, on loot toujours, oh, ça c'est bien. Prêtre revenant de Balthazar, le mini pet, là sur ce coup-là, je suis assez chanceux. Je ne l'avais pas encore, j'ai pouvoir le collectionner. Je loot aussi à chaque fois des gouttes de karma, hein, du karma liquide que je pourrais utiliser sur notre personnage ou reprendre avec celui-là. Je verrai. Je continue à ouvrir du karma liquide, du trash loot, karma, trash loot, encore un petit fragment d'obsidienne. Bon, c'est lié au compte, il faudra que je trouve une recette, hein, pour les utiliser. Ah bien, magnétite de destructeur, encore un truc sympa, un matériau 400, T6. Donc à revendre ou à crafter si vous avez des idées. Pour faire une légendaire, un truc comme ça. Voilà, j'ai oublié la moitié des boîtes, j'ai encore looté un prêtre revenant de Balthazar. Bien, bah écoutez, c'est un peu con, c'est lié au compte, j'en ai deux. Il y en a un qui finira la forge mystique. Je continue, hein, sur ma lancée, c'était pas trop mal pour le moment. Des crap loot encore, toujours. Les karmas liquides, encore un petit fragment d'obsidienne. Il va falloir vraiment que je réfléchisse à quoi en faire, je pense en avoir beaucoup de ces trucs-là. Voilà, une magnétite corrompue, regardez, j'ai les trois magnétites, j'ai la corrompue, l'onyx et l'autre, j'ai déjà oublié le nom, mais c'est bien. Et la petite dernière pour la route, vends-moi du rêve, voilà. Bon alors, petite conclusion, trois magnétites, magnétite d'onyx, destructeur et corrompu, deux mini-pets, prêtre de Balthazar, prêtre revenant. C'est pas mal quand même pour un... C'est pas mal, j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser, non, oui, non, il est pas là, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, enfoiré? Double clic, voilà. Oui, bon, ouais. Il est rare, mais il est pas non plus spécialement... Enfin, moi, j'aime pas trop avoir des mini-pets humanoïdes, c'est pas mon délire. Mais pourquoi pas, je l'aurai toujours dans ma collection, ça sera déjà ça de moins à farmer. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a les fragments d'obsidienne, ça va finir dans la collection. Et puis bon bah les gouttes de karma. Les gouttes de karma, vous voyez, je pourrais directement les reprendre. J'aurai à peu près 80 000 points de karma là avec tout ce que j'ai. Et je pourrais racheter des coffres. Mais moi j'allais garder mes gouttes de karma, j'allais mettre dans ma banque et je vais les utiliser sur un autre personnage qui a besoin de karma pour. Qui est en cours de leveling. Donc voilà. J'ai vendu mes craps, 30 pièces d'argent, et mes magnétites, vous voyez. Je vais les vendre hein, directement. On a des demandes à 1,30, donc on peut aller plus haut. Je vais en mettre un. La corrompue à 1,48, ça sera très bien. Hop. L'onyx à 1,45. Et. Allez, celle du destructeur, j'allais mettre un PO. Voilà. Bon écoutez, c'est pas trop mal hein, 30 bon, faut être c'est sûr, faut son karma, faut pas l'utiliser. Si vous êtes sûr, vous utiliserez pas votre karma, ça peut être une bonne solution d'avoir d'acheter des boîtes. Voilà, je vous laisse seul juge. Twitter, Facebook comme d'hab, pour rien rater, la petite danse de fin en haut à droite le bouton d'abonnement comme d'habitude. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous de bons jeux sur Guild Wars et à bientôt. Bye bye.